Bon, parenthèse, de toute façon, ça sert à rien de se battre parce que l'avenir politique, il est écrit. 2017. Montebourg, président. Et Benoît Hamon, Premier ministre. Je pense à Claude Guéant, qui était un de nos meilleurs ministres de l'Intérieur, qui, hélas, subit le matraquage de la presse. Et je ne pensais pas faire ça en direct, mais voilà, je prête mon allégeance à Claude Guéant, plutôt qu'à Daesh. Et quand vous y pensez, c'est quand même mieux, non? Tu pourras récupérer ma tête quand elle sera coupée par Daesh, qui, espérons-le, progresseront en France après 2017, parce que Juppé a de bonnes idées. Parce qu'en fait, Daesh, ils sont aussi en Outre-mer. Ils sont pas cons, les mecs. Hein. Ils sont, voilà, ils ont des cargos. Donc, Greenpeace, Daesh, c'est pareil. Hein. C'est le même but. Les Sea Shepherd. Sea Shepherd, c'est quoi les initiales? SS. SS, extrémisme, extrémisme, Daesh. La dernière, la tempérance. Donc, avec les quatre, tout ce que je peux te dire, c'est qu'en 2017, ce sera Alain Juppé. 2017. Alain Juppé. Et acheter des clous. Allez acheter plein de boîtes de clous. Parce que les clous, là, ça vaut rien, mais dans un futur proche, ça sera la nouvelle monnaie pour du troc contre du son d'avoine. Les clous. Tara, t'as voté pour qui au premier et second tour? Moi, j'ai pas voté, je m'en branle. T'es plutôt Charlie ou Bolloré? T'as déjà réfléchi à cette question? Non, attends, pose-moi la question. Demande-moi si je suis plus Charlie ou pas. Bah, t'es plus Charlie. Bolloré. Voilà, t'hésites pas. Et donc, j'appelle au non-vote en 2017. Si tout le monde ne vote pas, là, on va se faire entendre. Et voilà, et ensuite, j'ai été charmé par, tu sais, comment ça s'appelle, Podemos. Si on en fait un en France, mais un peu moins gauche de la gauche, tu vois, un truc plus modem, là je suis partant, là, je pourrais voter. Et puis, la flicaille, là, les poulets, les poulets, cote, 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 hein, les CRS, là, cote, 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 la bruschetta, c'est la solution à la paix dans le monde. Si on balance des bruschetta en Palestine, ça sera fini en 2-2. Le retour de la bête du Gévaudan, top ou flop. Mais la bête du Gévaudan a été décimée par l'irresponsabilité totale de José Bové, voilà, qui a tué les loups, qui va le faire. Il n'y aura plus de loups, bientôt il n'y aura même plus d'éléphants. Alain Soral, il n'existe pas. C'est un personnage fictif. Vous avez des preuves de son existence? Des preuves tangibles? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà vu dans une même pièce Alain Soral et Michel Sapin? Non. Comme c'est bizarre, non? Voilà. Si j'étais président, moi, je ferais une bombe atomique sur le sud. Mais quel sud? France. Parce que moi, je vais voter Sarko en 2017. Voilà. Retour à la peine de mort. Retour du service militaire. Baisse du SMIC. Fermeture des frontières. Et accueil des migrants. Voilà. Ce sont mes quatre impératifs pour 2017, pour ce prochain septennat. Parce que voilà, je veux aussi le retour au septennat. Sarkozy est hétéro. Il nous faut un président hétéro. Revenu universel ou RSA. Baisse du SMIC. Tout simplement. Très bien. Le travail ne doit pas être non obligatoire. Si tu ne travailles pas, tu ne touches absolument rien. Suppression du RSA. Et j'ai envie de dire à n'importe quel candidat de gauche. Enfin bon, aujourd'hui, tu es soit d'extrême gauche, soit d'extrême droite. Donc, c'est évident. Quel que soit votre bord politique, si vous dites sur votre acte que vous allez fermer les frontières, je voterai pour vous. Manuel Valls, c'est ce qu'on va faire. Métro glaciaire, tu viens seul? Je viens seul. Pas d'armes blanches.
Point Requin, si tu veux. Et on se tape. Tu viens alcoolisé ou pas. On se tape. Ok ? Ce soir, 18h. Comme ça, tu pourras avoir le débat de la primaire depuis ton lit d'hôpital. Parce que bon, en 2017, c'est retour à la peine de mort. Donc Valls passera de la corrida au corridor. Le mec, il sort le buste de Marianne. Alors que son objet fétiche, c'est surtout les castagnettes. Le mec, Le Pen, quoi. Genre, ouais, je suis français. Non, t'es bretonne. Voilà. Le vrai français, c'est poisson, c'est Wauquiez. Voilà. Wauquiez que j'embrasse. La seule que je respecte dans ce clan horrible, c'est NKM. Nathalie, pour moi, t'es belle. Mais c'est pas que du physique, c'est également tes idées, je les aime. Et on se prend un café dans le 14e quand tu veux. Je sais que maintenant, t'es célibataire. Moi, je vote Macron. C'est bon ?